Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edewani Wamakaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenne Berry. Halud Mouni. Chenne Berry. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Trois ans après la signature de l'accord d'Alger le 15 mai 2015, le document peine à s'appliquer selon certains observateurs. Cependant, les acteurs se réjouissent de certaines avancées, notamment celles constatées ces derniers temps avec l'opérationnalisation du mécanisme opérationnel de coordination MOC à Kidal. Quel est le bilan de la mise en œuvre de l'accord pour la paix? Quel est le poids de ce document aujourd'hui dans le processus de paix? Les acteurs sont-ils tous engagés? Nos invités, Mohamed Ould Mohamoud, porte-parole de la coordination des mouvements armées CMA, Fahad Ag Al-Mahmoud, secrétaire général du GATIA, membre de la plateforme, et Ibrahim Maïga de l'Institut d'études de sécurité ISS de Bamako. Je suis Mohamed Touré, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Monsieur le porte-parole de la coordination des mouvements armés, monsieur Mohamed Ould Mohamoud, quel est le bilan aujourd'hui de la mise en œuvre de l'accord pour la paix? D'abord, je vous remercie de nous donner cette opportunité pour parler de l'accord de paix pour la réconciliation qui dure trois ans. Et faire un bilan aujourd'hui de cet accord est très, très difficile. Ce qui est certain, la belligérance entre les parties est terminée. La situation entre toutes les parties, que ce soit le gouvernement, la CMA, la plateforme, il n'y a aucune belligérance et les populations attendent avec un grand espoir les dividendes de cet accord. À ce niveau, nous avons déjà entamé la mise en place des autorités intérimaires au niveau des régions. Et ceci a duré déjà une année. Très peu d'activités ont été entreprises par ces autorités intérimaires parce que tout simplement, elles n'avaient pas les moyens ni les ressources humaines pour essayer de mettre en œuvre les mandats ou les compétences qui leur sont assignées dans l'attente du 19 juin 2016. Et nous avons récemment, effectivement, des avancées très significatives en termes de vouloir mettre en place le MOC de Kidal et de Tombouctou. Celui de Kidal a été mis en place, mais jusqu'à présent, il souffre d'un certain nombre de problèmes de logistique. Et nous espérons que dans les jours à venir, ça va se mettre en place, ça va marcher, ça va sécuriser les autorités intérimaires, ça va commencer à créer la confiance entre les parties. Et à Tombouctou, il est prévu pour le 24 de ce mois pour sa mise en place. Et là aussi, c'est des questions de logistique. Donc, sur le plan politique, sur le plan institutionnel, il y a beaucoup de retard à ce niveau parce que il y a des réformes qui étaient prévues, qui sont prévues dans cet accord, qui n'ont pas été mises en œuvre ou prises par le gouvernement. Et nous attendons vraiment fortement ces réformes, parce que c'est elles qui vont dicter ce qui va devenir politiquement la façon dont vont se gérer les régions du Nord. Fahad Al-Mahmoud, qu'est-ce qui a été fait depuis la signature de l'accord le 15 mai 2015? Merci beaucoup de m'avoir aussi offert l'opportunité. Je pense que la mise en œuvre de l'accord, c'est surtout trois étapes. La première étape consistait à la mise en œuvre, à la mise en place des commissions prévues par l'accord pour sa mise en œuvre. Les commissions DDR? Toutes les commissions. D'accord. Du CSA jusqu'à la CNRSS. Mm-hmm. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les commissions prévues par l'accord ont été mises en place. Le deuxième volet de la mise en œuvre de l'accord était initialement le DDR qui devrait être fait après le cantonnement. Mais il y a eu une entente entre les parties de passer par la troisième phase, c'est-à-dire la mise en place des autorités intérimaires, de l'intervertir avec la deuxième. Ça a été de plein accord entre les parties. Il y a eu les autorités intérimaires au niveau région, collège transitoire pour les régions nouvellement créées. Et comme l'a dit Madou, il n'y avait pas eu des moyens conséquents pour les rendre effectivement opérationnels.
et même le rôle du président des autorités intérimaires qui était initialement le président de l'exécutif régional se trouve confronté à l'omniprésence du gouverneur qui est en réalité le représentant de l'exécutif. Donc à ce niveau aussi, il y a une zone d'ombre. Maintenant, en ce qui concerne... Quand le porte-parole de la CMA dit qu'il a constaté la fin de la belligérance entre les différentes parties, est-ce que vous confirmez oui, ça? Oui, je confirme que depuis la signature de l'accord, ça a mis fin à la belligérance entre le gouvernement malien et la CMA. Ça n'est continué entre la CMA et la plateforme. On est presque à un an aussi, c'était fini. Au jour d'aujourd'hui, toutes les dispositions quand même sont à la faveur de la mise en œuvre de l'accord, qui est du ressort du gouvernement. Je regrette l'absence du gouvernement dans ce débat. Nous avons tenté de compter parmi nous un responsable du gouvernement malien en vain. Ibrahim Maïga, vous, quelle analyse faites-vous de cette mise en œuvre de l'accord pour la paix? Merci également pour l'invitation. Alors, je pense qu'il y a peut-être deux lectures ou deux approches pour évaluer la mise en œuvre d'un accord qui a quand même 3 ans. Mm-hmm. Parce que je le rappelle, il a été signé en 2 étapes, 15 mai, 20 juin 2015. On est aujourd'hui le 21 mai, donc 3 ans après la signature de l'accord. Pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger, mais je pense qu'il est quand même préférable de qualifier cet accord d'accord de Bamako plutôt qu'accord d'Alger pour ne pas s'aimer la confusion dans l'esprit des gens. Oui. Parce qu'il y a un accord d'Alger qui a été signé en 2006. Oui. Comme je le disais, il y a deux approches. La première, c'est l'approche normative. C'est-à-dire on prend l'accord, on regarde les dispositions qui sont dans l'accord et on essaye d'évaluer à la lumière de ces dispositions, à la lumière de la mise en œuvre de ces différentes dispositions. Et sur ce point, les deux responsables de la CMA de la plateforme ont énuméré les avancées qui ont été réalisées, mais qui ont été réalisées quand même dans des délais très longs. Très longs quand on regarde l'accord pour la paix et la réconciliation, parce qu'il y avait une période intérimaire comprise entre 18 et 24 mois. Et la plupart des dispositions qui ont été mises en œuvre sont allées au-delà de cette période intérimaire. Qu'est-ce qui a expliqué ce prolongement du temps, selon vous? Alors, je pense qu'il y a plusieurs lectures aussi à faire à ce niveau-là. Mmh. Il y a bien entendu les divergences entre les parties signataires à l'accord. Deuxième élément, il y a le contexte sécuritaire qui a aussi bloqué pas mal d'avancées. Mmh. Troisième élément qui est peut-être aussi là plus difficile à évaluer, c'est parfois aussi le manque de confiance qui aboutit à un manque de volonté de la part d'une ou de l'autre des parties à avancer sur les dispositions qui lui revenaient de droit. Ça, c'est la première approche. Donc, j'ai rappelé l'approche normative. L'approche pragmatique, si on fait l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord sous cet angle, on voit qu'effectivement, il y a une absence de belligérance entre les principales parties signataires à l'accord de paix. Les porte-parole ont souligné l'absence de belligérance d'abord entre les groupes armés et le gouvernement malien, mais également les groupes armés eux-mêmes, et ce n'était pas gagné d'avance. Donc je pense que c'est une avancée positive. Maintenant, quand on est un habitant du nord du Mali, ou un citoyen malien, on a quand même beaucoup de déceptions par rapport à la mise en œuvre de cet accord et par rapport à l'état général de la situation sécuritaire dans le pays. D'accord. Nous n'avons pas pu avoir un responsable du gouvernement pour venir ici dans le studio, mais nous avons quand même eu une réaction du ministre qui est le porte-parole du gouvernement. Il s'agit du ministre Amadou Koïta. Écoutons sa réaction. Vous savez, c'est un accord pour la paix et la réconciliation, comme vous l'avez dit, vous m'avez dit, c'est pas un accord de paix. Ça veut dire qu'un accord qui doit conduire à la paix, un long processus qui doit conduire à la paix. Aujourd'hui, nous sommes sur le bon Dieu, l'engagement des différents acteurs, le gouvernement, ça a toujours été engagé. Les mouvements avaient la CMA, la plateforme, cet engagement aujourd'hui certain. La confiance est de retour. Vous le savez, il y a quelques mois seulement, le premier ministre était à Kidal, réussi dans le calme, réussi dans la sérénité, réussi dans la clameur, réussi dans la ferveur. Et nous avons eu à rencontrer les femmes, nous avons eu à rencontrer les jeunes, nous avons eu à rencontrer les leaders de Kidal. Nous avons senti que les populations de Kidal m'attendaient, c'est la présence de l'État. Les populations de Kidal sont prêtes à aller vers la paix. Après,
Guinée, nous avons fait tout le nord, nous avons fait Daou, nous avons fait Togo, nous avons fait le centre. Aujourd'hui, l'accord est en train d'être mis à l'œuvre. Vous avez vu le MOC, qui est le mécanisme opérationnel de coordination, et aujourd'hui est en phase de démarrage à Tombouctou, après Gao, Tombouctou et Kidal. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'armée malienne est à Kidal. L'armée malienne est à Kidal avec ses frères de la CEMA, avec ses frères de la plateforme, pour préparer également le MOC, pour préparer la montée en puissance du MOC et également aller au DDR. Il y a le désarmement de mobilisation et orientation. C'est un accord, c'est un long processus. Sa mise en œuvre demande beaucoup de patience, sa mise en œuvre demande beaucoup d'engagement, sa mise en œuvre demande surtout la confiance des différents acteurs et cette confiance est méritée. Toutes nos excuses pour la qualité de ce son, c'était au téléphone. Alors, Monsieur Mahmoud, que pensez-vous de cette réaction du ministre qui annonce qu'aujourd'hui, la population de Kidal est prête pour aller vers la paix? Non, effectivement, la population de Kidal, elle est prête pour aller vers la paix depuis qu'on a signé l'accord. Parce que, si vous vous rappelez, mon frère Fad savait que nous, la CEMA, avant de signer l'accord, on a dit qu'il y a des dispositions qu'on ne peut pas accepter tant qu'on n'a pas partagé avec la population. Et nous avons fait des journées de concertation à Kidal pour que les faire comprendre le contenu et amener les gens à adhérer. Et depuis lors, les populations étaient prêtes à partir vers la paix. Quel est le drapeau qui flotte aujourd'hui à Kidal? Bon, le drapeau, le gouverneur, il est à Kidal et puis en réalité, l'État doit monter progressivement. Et ça aussi, c'est dans un chronogramme. Et je pense que il faut pas se figer sur des questions de drapeau. Il y a eu un ensemble de problèmes qui se sont déroulés à Kidal. Il faut trouver la méthode et la pédagogie pour essayer de débarrasser la ville de cet ensemble de problèmes. Et ça demande une approche, ça demande un engagement. Et c'est là que la pertinence de l'accord se fait. Mais malheureusement, il y a très peu d'actions qui ont été faites jusqu'à ce point. Mais certains ont trouvé, lors de la visite du Premier ministre à Kidal, le fait qu'il y a un autre drapeau qui est apparu, qui est différent de celui du Mali, que c'était un peu provocateur. Vous savez, partout, il y a toujours... il faut accepter la diversité, et puis les opinions différentes. Les gens, ils ont besoin d'une gouvernance, ils ont besoin d'un État qui est plus regardant vers les droits de l'homme, ils ont besoin d'un État qui est plus regardant vers le développement, ils ont besoin d'un État qui les responsabilise et qui les donne des responsabilités. Mais malheureusement, jusqu'à présent, comme je l'ai dit, sur le plan politique, très peu de choses ont été faites. C'est seulement avec l'arrivée de ce dernier gouvernement qu'on essaye de précipiter les choses pour essayer de trouver... De trouver des nouveaux actes ou des choses à faire sur le terrain. Sinon, pendant les 2 ans, et je le dis avec Fad, parce que nous avons tous vécu ce processus ensemble, on a essayé de tout faire. On a tout accepté pour que le gouvernement commence à travailler et mettre en œuvre cet accord, parce que la responsabilité première, d'abord, relève du gouvernement. Elle ne relève pas du mouvement. C'est vrai qu'il y a eu des petits problèmes entre nous, mais ça ne peut pas justifier le retard qu'on a connu dans la mise en œuvre de l'accord. Et si aujourd'hui on avait fini au moins cette période transitoire où les autorités intérimaires auraient amené tous les services sociaux de base, les réfugiés sont rentrés, l'administration s'installe petit à petit, mais la confiance, c'est comme ça qu'on l'a construit. On ne l'a construit pas de façon théorique. Mais malheureusement, rien n'a été fait dans ce sens. Et jusqu'à présent, les gens sont hésitants. Ils se demandent qu'est-ce qui va devenir. Comment l'État va revenir? Est-ce qu'il va revenir selon ce que nous voulons ou bien il va revenir dans son ancienne forme? Parce que quand même, il faut dire, les gens aujourd'hui, ils n'ont pas profité de cette accalmie dont on a parlé. Cette opportunité où il y a l'arrêt de belligérance devrait être une opportunité pour que... Justement, est-ce que tous les Maliens peuvent se rendre aujourd'hui à Kidal? Le gouvernement malien, la plateforme, le citoyen lambda tout court? Ah oui, ça je vous le... La plateforme Fahad, vous pouvez vous rendre aujourd'hui à Kidal? Merci beaucoup. Je confirme que la première compagnie du MOC est à Kidal depuis environ 2 semaines quand même. C'est la deuxième compagnie qui doit être déployée. Et vous le savez comme moi que le gouverneur il est là-bas depuis un an. Maintenant, je pense qu'il ne faudrait pas se focaliser sur les vocables comme drapeau et autres. Ce qui est un acquis, c'est que personne ne revendique un autre État que le Mali. Maintenant, les emblèmes que les groupes utilisent, ils vont les utiliser tant qu'ils n'ont pas été désarmés. Et ça se fera par le biais du processus.
du cantonnement et du... Justement, c'est la deuxième étape du processus. Vous avez cité les trois étapes. C'est la deuxième étape, ça a été interverti avec la troisième. Et pourquoi les groupes armés, vous l'avez dit, il y a la fin de la belligérance, mais pourquoi les groupes armés n'acceptent pas d'être cantonnés, d'être désarmés aujourd'hui? Non, ce n'est pas qu'ils n'acceptent pas. Je ne dirais pas qu'ils n'acceptent pas. Je dirais que la commission DDR a envoyé des équipes avec des registres pour recenser tous les hommes en armes, quelle que soit leur appartenance, s'ils aspirent à la paix. Il y en a qui sont venus après l'accord, il y en a qui sont venus il n'y a pas assez longtemps. Tous ont été pris en charge par la commission DDR. Et après cela, on entamera la deuxième phase de voir tout le monde dans les sites de cantonnement, s'ils sont cantonnés. Je souligne quand même que c'est jusqu'ici, il n'y a pas eu un accord avec le gouvernement sur le quota qui sera alloué au mouvement signataire pour l'intégration. Après trois ans de signature, oui. D'accord. Et comment expliquez-vous cela? Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts de part et d'autre. Mais au moment du blocage, il y a eu un nouveau Premier ministre qui préfère connaître le nombre de combattants sur le terrain avant de discuter le quota qui leur sera alloué. Il s'agit du Premier ministre Soumaïlou Boubé Maïga. Oui. Que pensez-vous de cette situation, M. Maïga? Alors, laquelle? Cette situation, tout ce qui tourne là, on a l'impression que rien ne change, rien n'évolue. Alors, comme je le disais tout à l'heure, oui, on peut avoir cette impression de l'extérieur que rien n'avance. Et surtout, quelqu'un qui ne suit pas bien le processus de paix peut avoir cette impression-là. Et cette impression, je pense qu'il faut la prendre en compte. Il faut tenir compte de ces avis-là aussi, qui pensent que le processus est lent, avance très lentement, ou qu'il n'avance pas du tout. Je pense qu'il faut tenir compte de ces avis-là. Maintenant, les porte-paroles ont expliqué les raisons techniques, voire politiques parfois, qui freinent la mise en œuvre des différentes dispositions de l'accord. Mais j'aimerais quand même juste revenir sur une dimension qui me semble importante. Le processus d'Alger est une étape. Et j'ai eu l'impression qu'au Mali, on a accueilli ce processus-là comme l'aboutissement. C'est une étape vers la paix. Et je pense que le nom... l'adjectif pour est à dessein. C'est un accord pour la paix et non un accord de paix. La nuance est là, mais bon, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est-à-dire que c'est aux parties maliennes, c'est aux acteurs maliens d'insuffler la dynamique, le dynamisme dans la mise en œuvre de cet accord pour parvenir effectivement à la paix. La paix n'est pas gagnée d'avance. Comme vous l'avez vu, il y avait un état de belligérance entre les différentes parties signataires. L'état de belligérance s'est estompé au fur et à mesure. Maintenant, il s'agit de poser des actions concrètes, des actes concrets qui peuvent relancer la dynamique. Parce que je trouve que la dynamique, en dehors effectivement de l'état de précipitation dans lequel on s'est mis il y a quelques mois, peut-être aussi dans la perspective de l'élection présidentielle, je trouve qu'on était dans un état de latence qui faisait aussi le jeu des groupes armés terroristes. Mais quand on voit, concernant la première étape, comme Fahad l'avait dit tout de suite, il s'agissait de mettre en place des commissions qui devaient se réunir, décider de quelque chose. Mais concernant les autres actions, comme l'opérationnalisation par exemple du MOC, même à Kidal, il y a un problème logistique qui se pose à ce niveau. Donc aujourd'hui, réellement, la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui est réellement fait? Alors moi, je crois que les problèmes logistiques, d'ordre technique sont réels. Mais je ne suis pas sûr que c'est la dimension la plus importante. Je pense que la dimension la plus importante demeure quand même la volonté politique. La volonté politique... Au niveau du gouvernement La volonté politique de part et d'autre, au niveau du gouvernement, au niveau de toutes les parties signataires. Je pense que c'est la condition sine qua non pour une application diligente de l'accord de paix. La bonne volonté qui se matérialise aussi par un portage politique important. Et c'est l'impression qu'on n'a pas, malheureusement. On n'a pas l'impression que l'accord... pour la paix et la réconciliation, on l'agite, on le sort quand il nous sert dans les discours politiques, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a un portage politique réel de cet accord pour la paix et la réconciliation. Et c'est devenu en réalité un objet, j'ai l'impression, de marchandage. Et c'est la raison qui explique, de mon point de vue, certains des retards qu'on a observés dans l'installation, dans la mise en place des commissions dont Fahad parlait. Chacun cherchait sa place dans une commission, dans le comité, dans le CSA, ainsi de suite. Et donc finalement, c'est un gâteau que chacun a voulu se le partager. D'accord. Fahad, la volonté politique, est-ce qu'elle est visible à votre niveau? Je pense qu'au stade où on est, il n'y a aucun obstacle politique à l'avancée de l'accord. Mais vous êtes toujours armé? Oui, on le sera tant qu'on n'a pas été désarmé.
Et qui va vous désarmer? C'est le processus. Si on parle de l'accord, l'accord prévoit c'est que tout le monde soit désarmé. Mmh. Et ce n'est pas arrivé pour l'instant. C'est-à-dire, normalement, dans moins d'un mois, la commission de DDR sera en possession du nombre d'hommes en armes qui sont dans le processus. Et après, il y aura maintenant un autre calendrier pour que tout le monde soit dans les sites de cantonnement, pour que tout le monde, entre-temps, on saura le nombre des gens qui l'État peut prendre en charge dans les différentes intégrations. Je ne vois pas un blocage politique au stade douanier. Mohamed, la CMA est-elle réellement engagée pour la paix? Oui, bon, avant, la CMA, elle est totalement engagée pour la mise en œuvre de l'accord et elle se rend disponible tous les jours pour mettre en œuvre cet accord parce que la preuve en est que depuis que nous avons signé cet accord, on n'a jamais tiré sur qui que ce soit, on n'a jamais déclaré la guerre contre qui que ce soit, mais nous défendons... Depuis que vous avez signé cet accord, même entre groupes armés, plateformes et CMA? Depuis qu'on a signé cet accord, nous n'avons jamais déclenché une hostilité quelle que soit. Mais il y a eu quand même des affrontements entre nous et la plateforme, mais qui ont été résorbés depuis le mois de juillet 2017. Et nous avons un accord entre nous du 20 septembre à NFIF. Donc il y a tout un processus que nous avons mis nous-mêmes ensemble pour essayer de créer les conditions idoines pour la mise en œuvre de l'accord. Et c'est ce que j'ai dit, on n'a pas tellement profité de ces conditions. Toutefois, je voudrais répondre sur la question pensant que nous, on ne veut pas désarmer ou cantonner. Ce n'est pas ça. Il y a dans l'accord une offre qui est faite par rapport à l'armée reconstituée. Et cette armée reconstituée, elle a tout un processus observer. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas entendus sur les termes et les conditions de cette armée reconstituée. C'est pourquoi qui ne s'est pas entendu? Est-ce que sont les groupes armés? Les partis. Les partis. Hein. À un moment donné, on a pensé qu'il fallait donner un quota au groupe armé. Et le Premier ministre actuel a dit oui, tu donnes quota de quelque chose que tu connais. Mais du moment où on ne sait même pas si on a 20 000 hommes sur le terrain, ou on a 3 000 hommes et tu ne donnes que 1 000 ou 200 personnes, mais qu'est-ce que ce quota représente en termes de mobilisation et de désarmement et de cantonnement des combattants? Donc il va falloir faire un cantonnement qui répond à la réalité du terrain. Et nous avons voulu discuter, et la plateforme et le gouvernement, surtout la plateforme et nous, on a voulu discuter avec le gouvernement pour qu'il comprenne ces enjeux et pour qu'il prenne en charge cette question réellement pour qu'on parte vers une armée reconstituée qui peut relever les défis sécuritaires d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas le défi de désarmer qui est important, mais c'est le défi de faire une armée qui répond aux aspirations sécuritaires et de défense sur le terrain. C'est ça le défi qu'il faut qu'on relève. Et je pense que le Premier ministre l'a compris et il est en train de mettre les bouchées doubles, mais malheureusement, les questions de logistique encore nous retardent. Et aujourd'hui, notre plus grand ennemi, c'est le temps. Est-ce que les groupes armés connaissent leur nombre de combattants? Ah, oui. La CMA, c'est combien de combattants? Nous, on a déjà donné toute la liste de tous nos combattants. Vous pouvez nous en parler ici? Bon, ce n'est pas le lieu d'en parler, mais quand même, on a donné aux autorités compétentes toute la liste nominative de nos combattants. C'est combien? 1 000, 20 000, Non, ce n'est pas le lieu d'en parler. C'est pas important. Vous allez nous en parler, monsieur Al-Mahmoud? Je sais que la commission DDR va en parler au moment venu. D'accord. Je leur laisse le soin de dire il y a combien d'hommes en armes. Les auditeurs à Menaka ne peuvent pas le savoir avant ça, tout de suite? Non. Pas encore? Pas à travers moi. D'accord. Que pensez-vous de cette situation? Que les groupes armés eux-mêmes n'acceptent pas de donner les chiffres, le nombre de leurs combattants, monsieur Maïga? Alors, je pense que ce n'est pas qu'ils n'ont pas donné les nombres, les chiffres de leurs combattants. Et comme ils viennent de le dire sur ce plateau-là, ils les ont remis aux autorités compétentes. J'imagine qu'il s'agit de la Commission nationale DDR. Parce que certains ont dit qu'il y a des combattants qui sont venus s'ajouter à la liste. Maintenant, le deuxième point, et ça, on ne peut pas non plus l'occulter complètement. Il y a aussi un enjeu derrière, parce que le nombre de combattants, on ne le divulgue pas comme ça, que ce soit, peu importe le groupe armé, il ne le divulguera pas pour des raisons d'ordre tactique, d'ordre stratégique, mais également parce qu'à des fins de négociations politiques. Le porte-parole de la CMA l'a rappelé tout à l'heure, le Premier ministre, aujourd'hui, est dans une dynamique où il veut d'abord connaître le nombre de combattants. Avant d'attribuer des quotas. Et les quotas se feront sur la base probablement du nombre de combattants que chaque groupe armé, dont chaque groupe armé dispose. Mais j'aimerais aussi rappeler le fait que on parle de tout ce processus de paix, du processus d'Alger qui aboutit à l'accord pour la paix et la réconciliation.
en ne faisant pas suffisamment référence aux accords passés. Il y a eu un accord en 2006, il y a eu un accord en 91, il y a eu le pacte national en 92. Toutes ces expériences sont quand même importantes d'un point de vue doctrinal, mais d'un point de vue pratique. Parce qu'il y a les mêmes erreurs, il y a certaines erreurs qu'on est en train de répéter qui sont des erreurs qui ont été commises en 92, entre 92 et 97, des erreurs qui ont été commises en 2006. Donc je pense qu'il est fondamental aussi de tirer les leçons de ces expériences passées. Et quelquefois, les blocages qu'on observe aussi entre les parties signataires naissent du manque de confiance qui remonte à cette époque-là, à l'époque de 2006, à l'époque de 90. Êtes-vous du même avis de ceux qui pensent que cet accord est caduc? Alors moi, je ne me prononcerai pas sur la caducité de cet accord. Cet accord répond à un besoin spécifique, la paix et la réconciliation entre des groupes armés maliens, des groupes maliens qui ont pris les armes contre l'État et le gouvernement malien. Cette situation, de mon point de vue, reste pertinente, même si on constate une progression de la menace du nord vers le centre, en venant presque vers le sud en ce moment. De mon point de vue, c'est un instrument qui est là, c'est un outil qui est là plutôt. Et la pertinence de cet outil dépendra de l'usage qu'on en fait, de l'usage qu'en feront les parties signataires. Qu'en pensez-vous? L'accord est-il toujours important, M. Mohamed? L'accord est important. Il reste important parce que... Il n'est pas caduque. Il n'est pas caduque. Hein, et il a besoin d'être mis en œuvre parce que nous avons la conviction que si cet accord avait été mis plus tôt, que le problème que nous connaissons au centre aujourd'hui, on n'allait pas le connaître. Parce que, plutôt avant 2015 ou depuis En tout cas, si on avait juste respecté le calendrier de mise en œuvre de l'accord, selon dans son calendrier, on serait aujourd'hui dans l'armée reconstituée, opérationnelle, redéployée dans le centre, dans le nord et partout dans le pays. Qui ne l'a pas respecté? Toutes les parties ou bien une seule partie? On pourrait dire que chacun a sa part de responsabilité là-dedans, mais la plus grande part de responsabilité, comme je l'ai toujours dit, relève du gouvernement. C'est lui qui a la responsabilité de mise en œuvre de l'accord. Monsieur Maïga, êtes-vous d'accord avec ça? Que c'est le gouvernement qui a la plus grande responsabilité par rapport à cette question? Alors, c'est une affirmation qui n'engage que le porte-parole de la CMA. Maintenant, il est vrai que c'est au gouvernement d'assurer le leadership de la mise en œuvre de l'accord. Le président a pour ce faire un haut représentant qui le représente aux différentes réunions du CSA. Et la mise en œuvre incombe d'abord prioritairement au gouvernement malien. Donc c'est le gouvernement malien qui doit donner le ton, qui doit dicter le ton de la mise en œuvre de l'accord de paix. Et effectivement, de ce point de vue, on constate quand même une faiblesse de la part du gouvernement, manque de moyens, manque de volonté, chacun ira de son commentaire. Mais effectivement, il y a un manque de leadership affirmé de la part des gouvernements successifs. On voit un leadership beaucoup plus affirmé depuis quelques temps. Et comme je le rappelais, moi, c'est à quelques encablures de l'élection présidentielle. D'accord. Fahad, est-ce qu'il ne faut pas renégocier, trouver un autre accord? Moi, adapté au contexte actuel. Je trouve quand même que l'accord actuel, toutes les parties arrière, et aucune des parties n'a soulevé la nécessité de le rendre caduque ou de le renégocier. Mais on ne peut pas occulter quand même que cet accord ne résoudrait pas les problèmes du Mali. D'accord. On ne occultera pas. C'est-à-dire que. D'habitude, des citoyens maliens prennent les armes, s'attaquent aux emblèmes de l'État, ils négocient avec eux à travers un facilitateur, ils s'entendent, ça c'est si je parle des accords cités par M. Maïga. Mais cette fois-ci, nous avons un accord où il y a deux acteurs de plus. Lesquels? Celui qu'on appelle la communauté internationale. Qui n'est pas là par hasard aussi. C'est-à-dire elle est là pourquoi? Hein? Elle est là pourquoi? C'est des États, chacun veille quand même à être là. C'est-à-dire, donc, ils sont, la communauté internationale la n'est communauté pas là. La communauté internationale, pour c'est un ensemble d'organisations et d'États. Qui n'est pas là pour la paix au Mali, selon non, vous? Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas là pour la paix. Officiellement, ils sont tous là pour aider au Mali. Officiellement, mais officieusement. Les États et les ONG de bienfaisance, je pense que c'est deux. Maintenant, il y a aussi l'autre acteur. Qui n'est pas non moins important, qui est le terrorisme.
les terroristes. Pas important, vous dites. Qui n'est pas moins important. D'accord. Hmm? Mm-hmm. Je dis qui n'est pas moins important. C'est un grand acteur. Mm-hmm. Et c'est les tergiversations, le retard pris par l'accord favorise à ce dernier acteur. Mm. Maintenant, si je vous dis que l'accord actuel est caduque, ça, je ne le dirai pas parce que toutes les parties y adhèrent jusqu'à présent. Mais est-ce qu'il faut intégrer les terroristes? Non, je ne pense pas que les terroristes veuillent même être intégrés. Mm. Même si vous voulez les intégrer, est-ce qu'ils en voudront? Est-ce qu'il faut donc ils n'accepteront pas qu'on négocie avec eux? Non, je pense que dans le système des États et ses organisations, d'abord on les bat militairement sur le terrain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ensuite, une fois battus sur le terrain, on ouvre une brèche à ceux qui veulent revenir. Mais on ne peut pas négocier avec eux comme un mouvement qui reconnaît quand même la légalité internationale, qui souscrit aux droits de l'homme. On ne peut pas négocier avec eux. C'est-à-dire qu'ils sont forts, ils occupent militairement une partie et qu'on négocie avec eux. Dans le monde entier, là où on négocie avec eux, c'est lorsqu'ils sont d'une façon ou d'une autre bâtis militairement. Là, on permet à ceux qui veulent revenir de revenir dans l'encadrement d'un État qui peut le faire. Au jour d'aujourd'hui, l'accord n'est pas caduque, même pas besoin selon vous, mais il est limité. Selon vous, l'accord n'est pas caduque, mais il est limité. Non. C'est-à-dire que le retard que l'accord a pris a permis aux terroristes de gagner le terrain. Vous dites que c'est ça. Vous savez, dans l'accord, il y a une disposition qui dit que si les partis veulent renégocier un certain nombre de choses, les partis peuvent se mettre d'accord sur ça. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais pour le moment, nous restons sur les offres que l'accord doit délivrer sur le terrain. Malheureusement, c'est ce qui a perdu du temps. Et comme l'a dit Fah, c'est à cause du retard de la mise en œuvre de l'accord qu'un certain nombre de territoires même échappent aujourd'hui au contrôle de l'État. Le centre n'était pas comme ça en 2015. Le centre échappe. Le centre échappe. Mm-hmm. Hein, le centre échappe à tout le monde. Tout le monde sait ce qui se passe là-dedans tous les jours. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On a ce problème de qu'on appelle terrorisme, ou je ne sais pas, ce problème communautaire. En tout cas, il y a une confusion dans laquelle l'État ne peut pas s'affirmer convenablement. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre de façon globale la situation et trouver une solution par une volonté politique réelle, affichée. Mais comme je l'ai dit, le temps est vraiment le premier ennemi aujourd'hui parce que nous sommes à la veille des élections. Les agendas sont surchargés, mais malheureusement, les terroristes, eux, ne nous attendent pas. Ils n'ont qu'un seul agenda. Maïga, est-ce que la situation sécuritaire aujourd'hui ne dépasse pas? Est-ce que l'accord n'est pas aujourd'hui limité? Alors, l'accord a des obstacles, on les a rappelés, obstacles, même si Fah n'est pas d'accord, de nature politique, de nature technique, mais de nature aussi sécuritaire. Effectivement, les groupes armés qu'on qualifie de djihadistes ou de terroristes ont gagné du terrain, ont propagé la menace un peu partout dans le pays. On les attendait dans le nord, à Kidal, à Menaka, à Gao, on les retrouve au centre, que ce soit à Massina, à Nyono, à Mopti, à Bankas. Et donc, effectivement, on a une menace beaucoup plus diffuse, sans citer, effectivement, les attentats qui ont eu lieu ici à Bamako. Donc, on est face à une menace diffuse qui a eu le temps, qui a profité aussi des failles du dispositif sécuritaire et de la montée en puissance de l'accord de paix. Parce qu'il a fallu un temps, comme les deux porte-parole l'ont rappelé, au premier été de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, il y a eu des affrontements de la plateforme et la CMA. Et donc, les groupes armés terroristes ont profité de toute cette situation-là pour se propager, pour propager la menace dans le pays. Donc, c'est un défi immense que doit relever l'État malien et les partenaires de l'État malien. Est-ce que l'élection présidentielle du 29 juillet pourra se tenir dans ces conditions? Je pense qu'on peut faire que des conjectures, même si on est à deux mois de l'élection présidentielle du 29 juillet. Effectivement, on voit très mal dans la cartographie sécuritaire actuelle comment l'État malien peut redéployer ses services, peut envoyer les agents électoraux dans certaines circonscriptions électorales, dans certaines localités, que ce soit dans le centre ou dans le nord du pays. La situation aujourd'hui est peut-être moins dramatique
ou moins compliqué même, j'ai envie de dire, dans le nord que dans le centre du pays, où les interlocuteurs ne sont pas bien identifiés. Au nord, on a identifié les interlocuteurs. Il y a des interlocuteurs avec lesquels l'État dialogue dans le cadre du processus de paix. Donc, il y a les groupes armés qui joueront probablement un rôle dans la sécurisation du processus électoral. Mais dans le centre, on a du mal à identifier ces interlocuteurs. Et donc, c'est ce qui va compliquer la tâche des agents électoraux, ce qui va compliquer la tâche pour l'État dans l'organisation de cette élection-là. Mais le paysage peut changer. Les actions qui sont en train d'être mises en œuvre peuvent relancer la dynamique. Il faut quand même aussi rappeler que l'élection présidentielle au Mali ne s'est jamais passée dans un environnement sécuritaire ou politique parfait. Je pense qu'on a tendance aussi à oublier, on a l'impression qu'on était dans un monde parfait en 1997 et qu'en 2018, on est dans un monde cataclysmique quasiment. Donc il est important de rappeler aussi qu'il y a toujours eu des défis de nature sécuritaire, de nature politique, qui ont prévalu dans l'organisation de l'élection présidentielle. Mohamed, est-ce que la CEMA pense que les élections pourront se tenir le 29 juillet? Nous, on a une feuille de route, plateforme CEMA et gouvernement qui nous engage, que nous avons endossé devant la communauté internationale au dernier CSA. Et nous avons dit dans cette feuille de route que d'abord, il faudrait s'investir pour créer les conditions pour que les élections aient lieu. Et ces conditions, d'abord, c'est la sécurisation de toutes les régions du Nord. Et ça, nous avons fait des ateliers avec le ministère de la Défense il y a 2 semaines ou il y a 1 mois, enfin, je ne sais pas. Et on avait arrêté un certain nombre de stratégies dont on ne va pas parler ici, mais qui... Vous semblez vouloir cacher beaucoup de choses. Non, on ne cache pas. Mais on pense qu'il y a d'autres voies plus appropriées que nous qui peuvent le dire. Mais ce qui est certain, toutes les parties s'investissent pour réellement faire le maillage sécuritaire de toutes les régions du Nord, pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire les élections? Mais ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et beaucoup de perspicacité de la part de toutes les parties concernées et aussi de l'appui de la communauté internationale cette fois-ci. Beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, Fahad. Alors pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour commencer cette étape? Quelle étape? Il vient de le dire, il y a eu une rencontre, lors de la dernière rencontre du CSA, il y a eu une plateforme gouvernement CMA et d'accord. Plateforme pour accompagner les futures élections. Non, on dit localement toujours chaque chose a son temps, attend son temps. Si on n'a pas pu arriver là, peut-être qu'il faut souligner dans le processus, il y a un certain nombre d'événements quand même qui sont récents. Le premier parmi eux, c'est l'arrivée de l'observateur indépendant, la Fondation Carter. Il y a aussi l'équipe des sanctions du Conseil de sécurité. Il y a les élections. Ces trois acteurs, je pense que chacun a son rôle dans la détermination des uns et des autres à avancer ou à ne pas se montrer comme l'acteur du blocage. Et je sais que l'atelier dont a parlé le frère, c'est initialement ça devrait concerner les membres des groupes signataires, anciennement membres des forces armées, pour leur retour. Je pense que ça a été, il y a un agenda qui est convenu pour que tous ces éléments reviennent sous les drapeaux et sous les ordres du chef d'état-major général des armées et qui vont être mis en contribution dans l'organisation des élections. Ce qu'il faudrait comprendre, que si les élections n'est pas liées à une localité ou autre, ce ne sera pas de la faute ou du fait de la CEMA ou de la plateforme, parce que elles se sont déjà engagées à accompagner le processus. Mais je pense aussi que les urnes... Engagées par des mots, mais est-ce que vous engagerez chacun également chacun, celui qui a failli à ses engagements, ça se saura. Mais pour le moment, vous l'avez dit également, il y a beaucoup de choses qui ont été précipitées. Pardon, je dis, même si les groupes ou bien les mouvements ou bien la partie malienne s'est engagée à œuvrer pour la tenue des élections, les autres acteurs qui n'en veulent pas font que, je peux vous dire que les élections n'auront pas lieu dans tous les bureaux de vote initialement prévus dans les échéances passées.
C'est-à-dire qu'on sera obligé d'impayer les récentrés pour les raisons de sécurité. Les raisons sécuritaires font qu'elles ne peuvent pas avoir lieu dans les endroits habituels. Mais vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui ont été précipitées, ce qui fait que l'accord peine à s'appliquer. Est-ce que le processus électoral n'est pas en train d'être précipité aussi? Non, je pense que le processus électoral, c'est bien dans son temps. Le président aura 5 ans le 4 septembre prochain, c'est la fin du mandat. Est-ce que ce n'est pas préparé tardivement? Hein? Pourquoi non, avoir non, je ne pense pas qu'il ait beaucoup de marge. Il faut dire que ces 5 dernières années n'ont pas été tendres pour le Mali. Je suppose que l'exécutif ou bien le gouvernement ou le président, ils n'ont pas eu assez de marge pour préparer comme ils le veulent ou bien comme ça se doit. Les élections, parce qu'à chaque jour, on dit suffit à peine. D'accord, M. Maïga, avant de vous donner la parole, M. Mohamed Anville, certains disent qu'il semblerait que la CMA, les groupes armés, vont soutenir le président Ibrahim Boubacar Keïta, si toutefois il est candidat, parce qu'il ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir par rapport à ce point? La CMA, à ma connaissance, n'a jamais fait une telle réunion, okay, ni une telle déclaration. Mmh. Et nous ne sommes pas dans les questions politiques. Nous sommes en partenariat avec le gouvernement pour la mise en œuvre de l'accord et c'est cet aspect qui nous intéresse le plus pour tous les gouvernements qui vont se mettre en place dans ce pays. Mais pour le moment, aucune décision, aucune réunion n'a été tenue par la CEMA pour essayer de sortir un appui pour que... Vous dites pour le moment, est-ce que ça se fera dans les prochains jours? En tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Au niveau de la CEMA. Peut-on s'attendre à ça? Je ne pense pas. À votre niveau, Fahad, c'est la même chose qui se dit, que les groupes armés vont soutenir une possible candidature d'Ibrahim Boubacar Keïta. Moi, je ne pense pas que les groupes armés sont aussi politiquement organisés pour prendre... Ils contrôlent quand même des localités. D'un parti politique. Il contrôle quand même des localités. Il contrôle des localités, mais tout en laissant la volonté aux habitants de ces localités de faire leur choix. D'accord. Ibrahim Maïga, ce processus électoral n'est-il pas précipité? Alors, c'est, à ma connaissance, il y a un délai constitutionnel. Mm-hmm. Comme Fahad l'a dit tout à l'heure, le mandat du président actuel arrive à terme. Mm-hmm. Et le 4 septembre, son mandat sera... ou pas renouvelé, si jamais il est candidat et s'il remporte le scrutin. Mm. Donc on est tenu par des délais constitutionnels. Je pense qu'il est tentant, effectivement, à la lumière, au regard de la situation, de l'état de la situation sécuritaire dans le pays, de vouloir faire un glissement du calendrier électoral. Mais ça peut être dangereux également pour la stabilité du pays. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas ce consensus qui nous permet au Mali de dire, ben, finalement, oui. On met bas la terre, on essaie d'organiser des concertations entre différents acteurs maliens. On voit déjà qu'entre acteurs, parties signataires et États, ce n'est pas gagné d'avance. Donc je ne vois pas le cadre qui permettrait de réunir toutes les forces vives de la nation pour se prononcer sur un report éventuel de l'élection présidentielle. Effectivement, il est tentant, comme je le disais, de vouloir reporter indéfiniment. Et si on le reporte, jusqu'à quand? Donc, ce sont des questions en suspens qui ne sont pas tranchées, qui vont être difficilement tranchables. En tout cas, je n'en vois pas l'aboutissement. Et donc, il est très difficile, de mon point de vue, et peut-être risqué de s'aventurer dans un glissement du calendrier électoral. D'accord. 30 secondes pour chaque invité. Monsieur Mohamed, à quand la mise en œuvre effective de l'accord pour la paix au Mali? Bon, à quand, ça, c'est... Je pense que c'est d'abord la première chose qu'il faudrait, c'est la volonté politique. Mmh. Hein? Lorsque toutes les parties... et surtout la partie... Vous semblez ne pas être convaincu de la volonté politique du gouvernement. Je réponds à votre question. Si la mise en œuvre de l'accord, elle est d'abord l'obligation du gouvernement. Hein, elle est du rôle du gouvernement de le faire. Et nous, partis comme la plateforme, comme la CEMA, nous devrons montrer toute notre disponibilité et toute notre disposition pour essayer d'accompagner cette mise en œuvre. Et je pense que c'est le seul moment où on aura vraiment la mise en œuvre de l'accord, c'est avec la volonté politique
affiché du gouvernement de prendre en main cette question et de gérer vraiment les questions du Nord et toute cette question de conflit, d'insécurité qui... D'accord, Fahad, à quand? Dans 3 mois, dans 6 mois, dans une année? Je ne peux pas donner un temps précis pour la mise en œuvre de l'accord, mais je pense que le plus tôt sera le mieux. Il faudrait obligatoirement ou nécessairement que l'accord soit mis en œuvre ou qu'il y ait de la part du gouvernement un état des lieux. La renégociation de l'accord dont a parlé Madou. D'accord. Monsieur, désolé, on n'a plus de temps. 30 secondes. Est-ce que ce sera pour bientôt ou est-ce que ce sera pour très longtemps? Alors, pour que ce soit pour bientôt, je pense que l'accord doit devenir un outil citoyen, un outil que tous les Maliens s'approprient. Ce n'est pas un accord pour régler la question du Nord. C'est un accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Et en vertu de cela, je pense qu'il est important que toutes les populations maliennes, qu'elles soient de Kaï, Koulikoro, Bamako, soient impliquées dans la mise en œuvre de cet accord pour la paix. Fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nos invités, Mohamed Ould Mohamoud, porte-parole de la coordination des mouvements armés CMA, Fahad Ag Al-Mahmoud, secrétaire général du Gatcha, membre de la plateforme, et Ibrahim Maïga de l'Institut d'études de sécurité ISS de Bamako. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Nouhoum Djiré à la régie vidéo Gagné Kanté. Je suis Mohamed Touré, à demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chenne Berry. Haloud Mouni. Chenne Berry. Sigi.